Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui, je vais vous transmettre des messages pour ce week-end, donc le 3-4, samedi 3, dimanche 4. Je vais voir ce que je peux vous transmettre. Bien sûr, c'est du général, donc vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous. Je ne sais pas du tout sur quoi ça va porter, on va le découvrir ensemble. Je tenais à vous remercier pour votre présence. Merci pour tous vos jolis commentaires. Merci, merci pour tout. Voilà. Alors, on va prendre déjà les animaux de pouvoir pour commencer la guidance. Quels sont les animaux qui vont être présents avec vous, avec nous, durant ce samedi, ce dimanche? Il y en a trois. Je vais en prendre un de plus. Voilà, un de plus. Alors, on vous parle du bélier. J'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents et en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Donc là, durant le week-end, samedi, dimanche, on vous dit que vous avez le pouvoir de diriger votre vie. Mais pour diriger votre vie, vous devez vous fixer à des objectifs pertinents. Donc s'il y a des objectifs qui ne sont pas pertinents, fixez-vous juste sur les objectifs pertinents et aussi en restant focalisé dessus, mais sans vous laisser distraire par autrui. La corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Donc là, on vous conseille d'honorer votre caractère sacré et mystérieux. Votre caractère déjà qui est sacré et mystérieux. Honorer aussi le caractère sacré et mystérieux de la vie en plus. Et aussi développer votre intuition. La baleine. Dans le silence, je m'exerce à écouter les messages de l'intelligence universelle pour qu'il m'inspire et me guérisse. Donc là, vous allez peut-être faire durant le... Là, peut-être aujourd'hui, un petit peu, ouais, peut-être ce soir, ou durant la journée, jusqu'à à peu près dimanche, lundi matin, vous allez peut-être avoir besoin d'être un petit peu dans le silence, pour vous exercer à écouter les messages de l'intelligence universelle, pour qu'ils vous inspirent, mais aussi vous guérissent. Les messages que vous allez recevoir de l'intelligence universelle, ou que vous recevez déjà depuis un certain temps, on vous dit qu'ils sont là pour vous inspirer et vous guérir. La luciole, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Donc votre lumière intérieure brille, c'est avec discrétion mais aussi avec délicatesse. Et ça apporte une petite singularité, mais aussi une beauté au monde. Le sanglier, j'ai la puissance nécessaire pour prendre ma juste place et aussi imposer le respect. Donc là, on vous dit que durant ce week-end, vous avez la puissance nécessaire pour prendre votre juste place dans peu importe quel domaine de vie, mais aussi pour imposer le respect. Un petit message d'amour de Jésus. Ça sera plus pour dimanche. Un petit message, s'il vous plaît, d'amour de Jésus. On vous dit demandez, il vous sera donné. Donc aujourd'hui et jusqu'à dimanche, on vous dit de demander et il vous sera donné. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé. Magnifique. Je te laisse ici. Bien. Allez, on va commencer. C'est parti. Je prends ce magnifique oracle. Et je vais commencer à vous transmettre des messages avec celui-ci. Alors, pour toutes les personnes qui vont regarder cette guidance, les messages que l'on peut transmettre pour samedi, dimanche.
Alors, ici, dans un temps limité, je vois un courrier arriver. Donc, ça peut être aujourd'hui, ça peut être demain. Je vois un courrier arriver dans un temps limité pour une personne. Ça peut être lié à un enfant, un petit garçon ou une petite fille. Et je vois qu'en fait, ça va permettre à une personne de pouvoir, en fait, dès qu'on aura ce courrier, ça va permettre à cette personne de pouvoir tourner une page, voilà, sur son passé, sur tout ce qu'on a pu vivre. Voilà. Ça peut être un courrier, pour la garde d'un enfant, ça peut être le courrier. Ou pour du professionnel, ou voilà. Mais en tout cas, je vois que c'est quelque chose qui va être chanceux. C'est un courrier qui est chanceux. C'est un courrier qui va être positif, dans un temps limité. Et en fait, après, vous allez pouvoir aussi, voilà, tourner la page un petit peu, même sur des événements ou des situations que vous avez pu vivre dans votre passé proche ou lointain. Et en fait, faire, voilà. De toute façon, ce que vous allez laisser, vous allez vous diriger vers la chance. Pour vous et cet enfant. Je vois un gain d'argent aussi arriver à vous. Pour moi, dans un temps limité, ça peut être aussi la vente d'un bien, une réponse, quelque chose, ou une arrivée d'argent liée à du professionnel, un solde de tout compte, je sais pas, il y a quelque chose de toute façon. Je vous dis un petit peu tout ce qui vient, parce que c'est du général. Donc voilà, je ne peux pas vous dire précisément là parce que c'est du général, donc je préfère donner au maximum. Mais si ça vous parle direct, c'est que c'est pour vous. Voilà, il y a un gain d'argent de toute façon qui arrive dans un temps limité aujourd'hui ou demain. Grand maximum lundi, parce que voilà, le dimanche, vous ne pouvez pas recevoir. Après, c'est peut-être quelqu'un aussi qui vous donne un courrier, hein, enfin une lettre, voilà, ça peut être aussi ça hein, avec. Un gain d'argent. De toute façon, c'est un courrier où il y a un gain d'argent. Donc, soit dedans, soit. Voilà. C'est une lettre que vous allez ouvrir. On peut vous la donner en main propre aussi. En fait, à partir du moment où vous aurez ce courrier, il peut y avoir un gain d'argent qui se débloque après. Ça fait peut-être un certain temps que vous attendez. Ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans l'espérance. Mais on vous dit aussi que voilà, hein, là, de toute façon, pour moi, c'est très vite. Hein. Donc soyez encore un petit peu patient, patiente. Ça arrive. Et soyez dans l'espérance. Parce qu'après, vous allez renaître. Hein. C'est la renaissance. Hein. C'est la renaissance, c'est la chance. En plus, là, je vois un petit surplus financier, donc voilà, qui permettra de vivre sereinement une renaissance. Peut-être un petit peu plus large. Vous manquerez de rien pour cette petite fille ou ce petit garçon. Oh, il y a une très belle renaissance là. Ouais. Et vous êtes soutenu, hein. Vous avez du soutien autour de vous. Un ou plusieurs amis qui sont là. Qui vont être là aussi dans cette renaissance. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous transmettre pour ce premier message. Donc, il y a de la chance qui arrive à vous. Un courrier positif. Super. Allez, je prends ce magnifique oracle aussi et on va prendre des messages avec celui-ci. Allez. Allez, un petit message à transmettre, s'il vous plaît. Pour ce week-end. Un petit message à transmettre.
Ah, ça y est, c'était long. Alors, donc, ici, je vois une personne qui peut être enchaînée. Enchaînée, peut-être enchaînée à de la soumission, peut-être des énergies avares. Ça peut être dans n'importe quel domaine. D'une personne dans n'importe quel domaine. Il peut y avoir la soumission aussi. Une emprise physique ou psychologique. Je vois une personne qui est en crise, qui demande de l'aide. Parce qu'en fait, ça vous ronge énormément. Tout ce qui est enfin, cette personne ou ces personnes en fait qui sont dans toutes ces énergies, ça vous ronge. Moralement, physiquement, ça vous épuise aussi, ça vous met en crise. Vous avez demandé de l'aide à l'univers, à vos guides, par des prières. Peut-être aussi pour accélérer quelque chose, pour que vous puissiez sortir en fait des énergies avares et ou de soumission, peu importe quelle qu'elle soit. Voilà, on peut grignoter voilà, dans votre financier, dans vos énergies, dans votre tête. On peut être voilà, en pression, on peut vous ronger aussi, vous ronger physiquement, psychologiquement, vous presser comme un citron, dans la soumission, dans des énergies aussi avares. Vous avez demandé de l'aide à vos guides, à l'univers. Parce que en fait, je vois vraiment une personne qui n'en peut plus et on me parle d'un retour de la chance pour vous. Il y a un retour à la chance. Ouais. Vous pouvez avoir des inconstances dans votre morale. C'est pour ça aussi que vous demandez peut-être de l'aide. En tout cas, vous avez été entendu. Ok. Je vois une chance. Donc il y a une chance qui arrive à vous. Ça peut être un événement, une situation, quelque chose, ou une discussion. Il y a quelque chose en fait qui va être libérateur. Vous voyez? Bon, il y a la tour. La tour, ça chamboule. Hein. C'est pas. Voilà. C'est pas. Bon, pas forcément, mais c'est pas. Voilà. Ça peut être positif comme négatif. Mais en tout cas, vous, on vous dit de ne pas vous en faire que c'est. En fait, cette tour, elle va être là, en fait. Pour vous apporter de la chance pour après et vous sortir aussi d'une crise. Et c'est en fait, c'est en réponse à vos prières, à vos demandes en fait. Vous avez des souhaits qui ont été exaucés. Pour que vous puissiez sortir en fait de ces chaînes, de ces inconstances du moral, d'être rongé en fait à plus pouvoir. Hein. Je vois de la chance aussi, ça peut être quelque chose qui va être libérateur en fait. Il y a toutes ces énergies avares aussi et peut-être de soumission. En fait, il va y avoir une libération par rapport à toutes ces choses. Et en fait, une fois que ça va être libéré, vous allez sur de la chance. Hein. Je vois quelque chose aussi. Vous pouvez avoir un événement pour moi en plus de ça, parce que vous avez demandé de l'aide. C'est peut-être lié voilà, au financier. Il peut, voilà, vous avez demandé de l'aide, une aide bien précise pour moi, soit dans le professionnel, soit dans le financier. Peut-être qu'il y a un retour à la chance aussi, qui est peut-être un miracle dans un ou plusieurs domaines. Et en fait, je vois quelque chose qui va arriver vers vous. C'est un événement pour moi qui est positif. L'autre, il peut être positif comme négatif, soit l'un, soit l'autre. Voilà. Ça dépend aussi des libérations. Mais là, vous avez un coup de pouce de l'univers. Ici, donc, j'ai un retour. Je vois de la chance qui va arriver. Il y a un événement qui va être positif. Ça peut être une proposition. Une proposition, soit dans le domaine professionnel ou financier. Ouais, on vous dit.
Ou ça sera par le futur, en fait. Parce qu'on vous dit vraiment de vous mettre dans le présent et de laisser le passé derrière vous. Donc là, en fait, c'est comme si tout le passé allait se libérer par cette tour, positive ou négative. Tout le passé va se libérer pour que vous puissiez vivre dans le présent. Le passé, en sachant que voilà, c'est négatif, c'est toxique, c'est malsain. Il n'y a pas forcément non plus de valeur. Il n'y a pas. Y a pas. C'est très dur. C'est très compliqué. Donc là, je vois que le passé va être en fait libéré. Et après, en fait, c'est vous allez aller. Il y a de la chance. Et vous allez pouvoir être dans le présent, dans la chance. Et peut-être qu'en étant. Il va falloir être plus dans le présent. Hein, d'accord? Parce qu'après. Quand vous allez être dans le présent, je vois une proposition qui va arriver à vous, qui va vous porter chance. Soyez dans le présent aussi, oui. Je vois quelque chose de très fécond qui arrive à vous. Hein. Ça peut être des projets, c'est ça cette chance. De la fécondité, des projets aussi qui arrivent à vous. Et pour moi, vous allez envoyer un message. Ici, c'est voilà, la soumission, une personne avare, donc ça peut être un homme ou une femme, perverse, narcissique. Pervers, perverse, narcissique. Je vois cette personne, donc après cette libération, de bien se mettre dans le présent, dans un futur quand même relativement proche, je vois que vous allez avoir une proposition, peut-être une proposition dans le professionnel qui va être plus féconde en fait pour vous, qui va peut-être mieux vous rapporter ou plus vous rapporter. Je vois un message. Que voilà, que vous allez envoyer pour moi. Et en fait, dans ce message, ça va, on vous dit que ce message apportera de la chance, apportera des choses fécondes. Et c'est peut-être dans cette discussion, dans ces échanges de messages, que vous allez faire peut-être une proposition, vous allez peut-être proposer quelque chose à quelqu'un, et je vois un rendez-vous qui sera à la clé. Et ça, on vous dit que c'est une réelle chance. Je vois que vous aurez plus d'inconstance dans votre morale. La crise va se dissiper. La crise va se dissiper. Je vois peut-être un miracle, ouais, dans un ou plusieurs domaines, hein. C'est comme si là vous étiez en crise, vous avez demandé quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver, on répond à vos souhaits. Et en fait, je vois de la chance après. Un événement qui va être chanceux. C'est pour moi des discussions. Je vous vois échanger avec une personne. Il va y avoir une proposition, peut-être un rendez-vous aussi. Ou c'est le fait de proposer de discuter avec quelqu'un. Et je vois qu'on va parler peut-être, voilà, de mettre des projets féconds en place. Un enfant. Et on vous dit, voilà, de Ouais, c'est ça aussi peut-être. Ou alors une proposition totalement différente dans le domaine du professionnel. Mais pour moi, je vois les discussions avant. Et en fait, ces discussions, vous resterez dans le présent. Et de toute façon, c'est... voilà. On va vous pousser dans votre présent, dans cette chance, dans cette abondance, des choses fécondes, positives pour vous, la joie, le bonheur, la réussite. Voilà, on va vous pousser fort, fort, fort. Hein, pour vous sortir de cette crise et que vous soyez... dans le présent avec des choses très légères et voilà. 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 Et c'est comme si aussi ces personnes hein, qui peuvent vous ronger. Donc là, ça vous ronge énormément. C'est pour ça que vous avez demandé de l'aide. Et pour moi, en fait, quand il va y avoir une certaine libération. C'est comme si en fait je voyais moins ces personnes en fait à vous ronger. Hein. Il y aura de la chance. Alors, pour moi, ici, vous êtes en non-communication avec une personne, mais je vois qu'après les communications, vous allez ouvrir la porte du jardin. On parle d'une relation sociale, de la clientèle et une élévation aussi, une réussite.
dans le professionnel, il va y avoir un gain ou une rentrée d'argent, enfin un gain ou un gain, une rentrée d'argent. On peut me parler ici au niveau perverse narcissique, il peut y avoir énormément de pertes. Hein. Je vois un gros déséquilibre. On vous dit de patienter, enfin ouf. Ou alors vous êtes vraiment bloqué dans. On me dit que là, en fait, vous patientez, qu'on réponde à votre prière. Et en fait, le souhait va être exaucé. Donc patientez encore, vous êtes un peu bloqué dans cette patience. Mais une fois que ça va se débloquer, en fait, je vois une femme. Je vois une femme avec qui vous allez discuter. Voilà. Et il y a encore d'autres choses, c'est ça en fait. Il y a d'autres choses qui vont arriver à vous, qui vont se débloquer, qui vont se déverrouiller. Et on me dit aussi que vous êtes extrêmement protégé par vos anges, par vos guides. Voilà. Et c'est là où vous vous dirigez. On peut me parler aussi d'un déménagement ou d'un emménagement. Voilà. Qui arrive à vous. Voilà. Voilà tout ce que je devais vous transmettre. C'était un réel plaisir pour moi. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, des likes, à vous abonner si c'est toujours pas fait, que vous désirez le faire. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances. À bientôt!